السلام عليكم. مرحبا بكم في لاشين ماد بونزاي. نيماجينا نديرو اون ميز اون فورم تاع لونغ شامبيتر. هذا لونغ سي كاين بزاف لي زوم بليزيور اسباس تاع لونغ. هذا سي لونغ شامبيتر. جينيرالمون اون لو تروف با بزاف باسكو هو دون الموند انتي ايلي اون فوا ديسباريسيون. معناتها راه ينقرض اكوز دون باكتيري. À cause d'un microbe, je te fais mon imlé, il trouve le tronc, l'écorce de haut, oui, d'eau, d'eau, camel, oui, mout. Alors, les gens, ils font le bonsaï, ils sont isolés, c'est-à-dire dans un pot d'art, dans un jardin, etc. La maladie, normalement, elle s'appelle, elle s'appelle la graviose. La graviose, elle dit, mais tu es qui met plusieurs maladies, les cannes, les forêts, les condés de la culture d'art. Généralement, on met cette maladie parce qu'il est loin des arbres. Hada lampe champêtre, Jabouli est un ami. Il l'a prélevé. Il l'a prélevé, je pense, en novembre-octobre. Il était ganu, sans feuilles, sans rien. Il l'a prélevé à des Sahara. Allez, un des lampes champêtre, Jabouli, je l'ai mis en pot. Qui m'a comme tu fous, tu verras, ou qui fait chcal. Je l'ai mis en pot. Je l'ai touché en décembre. Je l'ai ligaturé en cascade ou en semi-cascade, je n'ai pas encore décidé. Parce que il y a quand même besoin de connaître c'est quoi la différence entre la semi-cascade ou la cascade. Ou là. La semi-cascade, c'est normalement le tronc, il est là, il n'y a pas. La cascade, c'est là, directement. En plus, on a un animé, l'unibalité ou le tronc, il faut que le rempotage, il faut que le rempotage. Par exemple, il y a un instant mort ou je suis là. Pour favoriser le système racinaire, le qualité à eau. La cascade, généralement, tu n'as pas le pot. Donc, en ailleurs, tant qu'il est dans un petit pot, je vais faire le remportage en automne. Et à la cascade, il descend, tu as le pot. Bon, généralement, il ouvre des pots, il joue toile, d'ailleurs. Il joue la toile, ou l'arbre terre qui est la semi-cascade dit au même niveau, tu as le pot. Après, les branches qui font icône, etc. Donc ça dépend. Donc il y a les lois, tu as le bonsaï, etc. Il y a sa vision à lui. Et on respecte ça. Bref. Dans l'orme, qui est comme tu veux, je l'ai ligaturé, etc. Début février, mars, fin février, mars, il a commencé à bourgeonner. Il a commencé à bourgeonner, d'accord, avec des nouvelles tiges, etc. Un homme est un peu plus haut. Il y a une mise en forme, tu as les branches, mais je vais faire la ligature, je vais faire la après mort, c'est fou là, parce qu'un dos, le 30 ou les branches, tu as souple, maintenant, là, c'est un peu de mêler. Qui j'oublie ça commence à marquer, je vais essayer d'enlever la ligature. Donc, je vais faire une mise en forme. Je vais faire. On n'a pas de l'eau, les branches. Je vais former des plateaux. Il y a un inconvénient à la norme champêtre ou d'autres espèces, les contre fait qui taillent l'eau, ils ont joué d'autres nouvelles tiges qui m'a dit. Dans la crème de Hadi, par exemple, la crème de cette branche, la crème de Hadi, ça m'a dit qu'ils ont joué d'autres branches. Il faut comprendre que ça a un homme qui met les arbres fruités. Les arbres fruités, où je déloue l'année. Déloue les deux branches principales. La deuxième année, par exemple, déloue les charpentières. Tu bénis la structure dans l'arbre d'arc. Mais tu bénis la structure d'abord. Après, je t'envoie le feuillage ou la taille, tu as les feuilles ou la comment réduire les feuilles. Hada, il se taille la période de pousse. Hada, par exemple, je te fais mon. Par exemple, cette branche. Hada, les entre-nœuds, l'on a une taille, la mauvaise période, par exemple, en octobre, en novembre, tout est taillé. Les entre-nœuds, pour éviter ça, les hommes taillent la période de pousse. Comme beaucoup de. Qui met le fécus, qui met beaucoup d'arbres. Généralement, si on parle des feuillus, les caducs, ils taillent
la période de pousse. La taille de structure sera en hiver. Qui m'a d'ailleurs qui était le gars les feuilles, la sève tarbotte. Je lui fais une taille de structure. Une forme les branches de vraiment. La forme finale, par exemple, la structure terre finale. Et je taille les racines parce qu'à l'âge, l'arbre il connaît, il n'y a pas de feuilles. D'ailleurs, il n'a pas besoin de la sève tarbotte. Il connaît la côte. Je fais un en mode repos. Je peux tailler les racines, je peux tailler d'autres espèces, donc chacun qui fâche. Qui m'a d'ailleurs, qu'est-ce que je vais? Donc, dès l'eau, je vais essayer que. Je vais essayer, je vais faire les branches et faire repartir la force partout. Par exemple, il y a plein de branches que je ma cache. Et je vais essayer de ligaturer les branches. Et je vais essayer de tailler un peu la fesse, les aïdines et le bois mort. Adamakan. Aïtiklalarbi, aïalouhamaya. Là, comme tu vois, il faut que les branches sont bien réparties. Et maintenant, il y a un équilibre, il n'y a pas de souci. Je vais enlever tout ce qui est bois mort, bois zaïd. J'ai fait des plateaux, j'ai fait former des plateaux. Donc, on va encore. On a fait les nouvelles pousses. Je vais pincer. On a parlé le pincement. Il faut pincer les nouvelles pousses. Alors, on a fait une structure. L'arbre structuré
نديرو en mode هكذا sur plateau. Après هذيك la taille, je vais essayer de tailler à fur et à mesure. Je vais essayer de tailler مع الوقت. وين نشوف des pouces, nado, je vais essayer de tailler pour revenir en arrière, pour la période de pouces. Donc là, je pense pas que je vais rien, je vais faire quelque chose de quoi. Mais on dit voilà, on va le mettre dans le chat. خلي كيما لا واك دايا لا بيرت دو فوي يطيح له الفوي تاعو نعاود ندير له اون تاي دو ستركتور نعاود جو روفيا اون اريير نعاود نستركتورو نزيد نصغرو باش تفهموني مليح جو في اسيي دو لو نعاود نولي اون اريير باش في البرانتون الجاي ان شاء الله يوغا ان بورجونمون مليح يوغا ان بوكو دو بورجونمون اكسيتيرا هذا ما كان جيسبر كو عجبتكم لا فيديو و la prochaine inchallah. Si vous avez des questions là, il faut pas hésiter, abonnez-vous, partagez. Wa hada makan. Assalamu alaikum.